Guten Tag, meine Kinder. Sind Sie okay? Mir geht es gut. Heute werden wir über den neuen Support der Liga sprechen. Trisch! <laughs> Einen Jura höre ich gern Aus der Nähe und von der Ferne Mit der Liebe im Herzen drin Singt ihn jeder Senderin. Darum zieh ich jedes Jahr in die Berge, das ist klar Und ich sing mit frohem Sinn, weil ich dann in Urlaub bin Salut à tous, c'est Boro et on se retrouve en français aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, pour ma part, ça va super bien, j'ai la patate. Euh, et on se retrouve donc bah, pour parler d'un tout nouveau personnage qui est sorti dans la Ligue. Euh, et je dois dire que je suis très agréablement surpris, euh, tout simplement parce que c'est le deuxième support de suite que nous sort euh, Riot Games. Et euh, bah, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on attendait les supports et là. De suite, après un ami, euh, on a donc vu arriver ce nouveau personnage qui est sorti mercredi soir si je ne m'abuse. Euh, qui vous a sûrement fait frissonner, froid dans le dos, euh, quand vous fermez les yeux et que vous êtes dans le noir, vous grelottez à sa pensée. Euh, je veux bien évidemment parler donc de ce nouveau support, trèche hein, le garde aux chaînes. Voilà. trèche donc, qui est euh, bah, un nouveau support tanky. Et à croûte de contrôle euh, que nous a sorti Riot, donc c'est un petit peu, je dirais, euh, un mix entre euh, les supports tanky qui se faisaient déjà, c'est-à-dire euh, on a un sorte de grab à la Blitzcrank, on a un, un, un je te tape dessus, je, je te saute dessus pour te claquer les CC à la Leona, on a un truc, enfin c'est un gros mix de ce qu'on a déjà vu dans League of Legends, euh, mais je dois avouer que pour ma part, je suis vraiment séduit. Alors je l'ai acheté dès qu'il est sorti avec un petit peu de retard, une demi-journée de retard, mais je l'ai acheté dès que j'ai pu, histoire de pouvoir le tester et vous fournir tout de suite euh, un petit guide, un petit avis construit, euh, pour que vous sachiez d'ores et déjà si... Ce genre de personnage pourrait vous plaire ou non. Euh, parce que mine de rien, bon, la première semaine il coûte 7800, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris parmi vous. En tout cas, moi je l'ai pris justement parce que euh, la semaine prochaine, son coût sera réduit à 6300, et c'est sûrement là que ceux qui hésitaient, euh, eh ben, à ce moment-là, se décideront à savoir s'ils le prennent ou pas. Alors j'espère pouvoir vous aiguiller un petit peu grâce à ce guide, grâce euh, aux quelques images que je vais vous fournir durant cette vidéo. En tout cas, sachez que pour ma part, la vie est 100% positif. C'est un, un support, euh, c'est le genre de support que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire les supports tanks, ça a toujours été mes préférés. Leona, euh, Alistar. C'est des personnages que j'apprécie beaucoup. Leona notamment, qui reste encore ma main. Mais je dois vous avouer qu'il y a de fortes chances pour que Thresh devienne mon main. Euh, c'est vraiment un support excellent qui a une panoplie complète. Enfin, je vais vous détailler ça pendant la vidéo. Accrochez-vous, j'espère en tout cas que cette vidéo pardon, vous plaira, j'espère qu'elle vous permettra de vous aiguiller, qu'elle vous permettra de vous décider. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et de faire plein de folies avec ce nouveau support. Alors je vais très rapidement faire un point sur les différents spells de ce nouveau champion. Je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que derrière je vais un petit peu vous expliquer rapidement ses défauts et ses avantages justement. Par rapport à ces différents spells. Donc les petits détails et les petites questions que vous pouvez vous poser par rapport justement euh, à ces, euh, bah, ces différentes compétences, euh, eh j'espère pouvoir y répondre. Quoi qu'il en soit, d'avance. Euh, je m'excuse s'il n'y a pas toutes les informations que vous cherchez. Mais ne euh, n'hésitez pas surtout à m'envoyer vos messages, messages personnels. Ou commentaire comme vous le désirez, c'est à vous de voir. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer donc vos questions, je tâcherai d'y répondre. Euh, et puis, même pas euh, vraiment, si vous voulez mon avis quant à votre stuff, quant à, à votre façon de le jouer, il n'y a pas de souci. Sachez que je suis là pour vous répondre. Je suis entièrement disponible à votre merci, à votre disposition, mes seigneurs. Je m'incline bien bah Alors, c'est parti. On va commencer très rapidement. Donc, avec euh, bah, son passif, donc le passif de Trèche, alors c'est un passif je dirais très particulier. Pourquoi Eh bien en fait il faut savoir que Tresh euh, ne gagne pas d'armure en fonction de ses niveaux. Euh, en fait Tresh pendant sa partie va pouvoir euh, collecter les âmes des ennemis morts euh, autour de lui. C'est-à-dire que dans un périmètre d'une distance de 2000 autour de Tresh, eh bien euh, il y aura donc tout les, enfin, une partie des ennemis morts. Dans cette zone là, vont faire popper des âmes et Tresh aura alors euh, deux façons de récolter ses âmes. D'une part, il pourra marcher dessus, donc c'est la façon la plus classique, mais l'autre façon aussi, c'est d'utiliser l'un de ses spells que je vous décrirai plus tard et donc je vous donnerai les détails plus tard. Et à ce moment là, donc Tresh gagne un point d'armure euh, et un point d'AP, enfin gagne de l'armure et de l'AP, pardon, en fonction du nombre d'âmes qu'il a récoltées. Sachez que donc au tout début, euh, une âme. Égale 1 point d'armure et 1 point d'AP. Et au fur et à mesure que vous allez récolter des âmes de cette manière, eh bien, euh, eh bien les âmes vont vous rapporter un petit peu moins. C'est-à-dire que la première âme va vous rapporter 1, la deuxième par exemple peut vous rapporter 0,99, la troisième 0,98. Je vous avoue que je ne connais pas les chiffres exacts, mais sachez que euh, l'âme ne peut apporter au maximum que un point d'AP et un point d'armure et au minimum apporte 0,5 point d'AP et 0,5 point d'armure quand vous êtes justement euh, à un certain stade sachez que quoi qu'il en soit même à 0,5 ça reste très intéressant alors de quelle façon pop les âmes c'est tout simple il faut savoir que lorsqu'un ennemi c'est-à-dire un, un joueur adverse meurt il pop automatiquement une âme ça c'est automatique c'est obligatoire de la même façon les grosses bires où les gros monstres de la jungle vont automatiquement et obligatoirement vous laisser une âme lorsqu'ils mourront donc les sbires de siège les gros sbires qui sont qui pop, qui pop pardon après euh, avoir descendu un inhibiteur tout cela vont vous donner une âme obligatoirement de même Nashor, le drake euh, le gros golem le, le bœuf bleu euh, le gros loup etc tout cela vont vous donner donc une âme d'une façon obligatoire après les petits sbires et les petits monstres de la jungle peuvent eux aussi euh, vous faire pop des âmes. Mais à ce moment-là, ça vient de façon aléatoire. Euh, donc, il peut arriver par exemple que vous passiez dans la jungle derrière votre jungler. Qu'il ait buté le camp des loups. Vous pouvez très bien à un moment récolter 3 âmes. Comme vous pouvez à un autre moment en récolter une seule. C'est aléatoire pour les petits sbires. Voilà. Euh, de la même façon, euh, je voulais aussi préciser très rapidement que euh, les âmes ne popent que sur les sbires ennemis. Donc, si jamais vous avez un sbire allié qui meurt à côté de vous, il se peut qu'il y ait une âme qui pop, mais c'est à ce moment-là uniquement s'il y a un trèche ennemi en face. Vous ne pouvez donc absorber que les âmes de vos ennemis morts et non pas de vos sbires alliés ou de vos alliés champions. Enfin, ou de vos champions alliés, voilà. Pour un petit peu le passif de trèche qui, honnêtement, si vous récupérez, si vous vous tâchez, euh, vous attachez à récoltez pardon, toutes, euh, toutes ces âmes. Je peux vous assurer que vraiment vous allez voir votre armure et votre AP grimper à une vitesse folle et je pense qu'en early justement euh, vous grimpez plus rapidement que les autres et ça peut vraiment faire une différence dans les premiers assauts et de même euh, en late ça peut vous apporter euh, 70, euh, 80 points d'AP et d'armure totalement gratuit donc un passif qui est vraiment très très intéressant pour peu qu'on prenne la peine de récolter les âmes et c'est une des choses qui forge le gameplay de ce nouveau champion. Donc voilà déjà pour le passif de trèche. Parlons maintenant du A de trèche. Donc tout d'abord, il faut savoir que le A, lorsque vous l'activez, euh, va faire que vous allez gagner un passif supplémentaire. En fait, c'est simplement que les attaques de base de trèche vont infliger, en plus des dégâts normaux, euh, des dégâts magiques supplémentaires. Alors ces dégâts vont être équivalents au nombre d'âmes collectées par trèche, plus un pourcentage de ces dég dégâts d'attaque. Voilà, euh, donc de son AD simplement. Ce pourcentage euh, se base sur le temps passé depuis la dernière attaque. C'est-à-dire que si maintenant euh, vous lancez une auto-attaque et que vous lancez une autre auto-attaque derrière, le pourcentage va être très très faible, voire nul. Euh, par contre, si vous attendez 5 secondes, 10 secondes, je ne sais pas combien c'est exactement le temps maximum à attendre, euh, mais vous le verrez de toute façon, je vous expliquerai ça euh, tout à l'heure. Si vous attendez, eh bien la voie de prochaine attaque va avoir un plus gros pourcentage, un très gros même pourcentage de dégâts supplémentaires. C'est quelque chose qui va permettre de poke à l'auto-attaque avec euh, Thresh. Il faut savoir aussi que Thresh a une grande distance euh, d'auto-attaque. Il a une grande range, comme on dit. Euh, et c'est vraiment intéressant, pour peu que vous ayez un, un carry en face ou même un support qui soit... Obligé de s'approcher un petit peu des sbires pour pouvoir l'astite, comme par exemple une veine ou même un Ezreal dans une autre mesure, euh, par exemple, à ce moment-là, vous pouvez très bien poke à l'auto-attaque puisque sa range le permet. Et pour peu que vous attendiez entre deux auto-attaques, euh, il peut arriver que vous surpreniez votre adversaire en lui infligeant des dégâts supplémentaires qui paraissent vraiment pas mal. Franchement, ça envoie du pâté, je peux pas vous dire le contraire. Mais il faut y penser. Alors euh, lorsque vous aurez activé donc ce A, vous verrez que le passif euh, proc au-dessus de votre barre de compétence Donc ça, c'est comme tous les autres passifs. Et vous verrez selon la couleur les, le pourcentage supplémentaire qui a été ajouté. Alors je n'ai pas les chiffres en tête. Mais euh, sachez que quand c'est jaune, par exemple, c'est déjà à moitié chargé. Il me semble que ça fait vert, euh, jaune, orange et à rouge. Ben, le rouge, c'est chargé au maximum. Donc vous aurez le plus gros pourcentage. Euh, de dégâts supplémentaires à ce moment-là. Ensuite, bien évidemment, le A vous offre aussi une compétence active. Alors, qu'est-ce que c'est que cette compétence active Eh bien, il va lancer simplement sa faux et infliger des dégâts magiques à la première unité euh, qui est touchée. Et en plus de ça, va l'attirer vers lui pendant 1,5 seconde. Alors, c'est-à-dire que vous allez lancer la chaîne, telle un grab par exemple de Blitzcrank ou bien la lame du Zénith de Leona. De cette façon, euh, C'est plutôt donc du coup ça ça va rendre plus au grab de biscrank. Et bien le premier ennemi qui va rencontrer cette chaîne donc va recevoir des dégâts supplémentaires et en plus de ça va être accroché à la chaîne pendant 1,5 seconde. C'est vraiment pas négligeable. Et à ce moment-là, je va pouvoir le tirer vers lui. Euh, il va le tirer vers lui en deux temps. Donc il va tirer un bras. Puis l'autre, et donc va le rapprocher de lui. Je dirais que la distance qui est faite est égale environ à un tiers de la distance qui sépare la personne agrippée et Trèche. C'est-à-dire que si maintenant vous êtes à une distance de 30, hein, je dis des exemples à la con, hein, si vous êtes à une distance de 30 entre par exemple Trèche et Ezreal, vous vous grabez et Ezril, à ce moment-là vous allez ramener, je pense, d'à peu près 10 de distance. Euh, je pense que c'est à peu près ça. C'est pas un hook de Blitzcrank. Ça n'a rien à voir. Blitzcrank va ramener vraiment euh, l'ennemi et va le coller à lui. Uh, Tresh, lui, va juste l'agripper. En fait, c'est plus un sort de maintien. Et il va quand même le, le, le ramener un petit peu. Et uh, sachez aussi que Tresh peut bouger pendant son hook. C'est-à-dire que pendant 1,5 seconde, l'ennemi va être agrippé et ne pourra rien faire du tout. Et pendant ce temps, Tresh, lui, peut reculer ou au contraire peut avancer. Sachez aussi que vous, si vous activez une deuxième fois votre hook, à ce moment-là, uh, bah, Tresh va alors bondir directement, va uh, se téléporter. Vers l'ennemi touché et donc va foncer dans le tas. Sachez que c'est une excellente engage en fight c'est-à-dire que ça vaut la bandelette par exemple de mumu ou justement la lame du zénith de Leona, c'est-à-dire que vous balancez votre, votre sort, c'est plutôt comme la bandelette de, de mumu et vous allez appuyer une deuxième fois pour foncer dans le tas et derrière vous aurez juste à utiliser votre vos autres spells pour claquer une engage du tonnerre. Voilà un petit peu pour le A de Trèche. Parlons maintenant du Z de Trèche. Alors le Z de Trèche, c'est un sort qui extrêmement important, extrêmement intéressant et qui peut te permettre de faire des ouvertures. Alors, pour le moment, je vais simplement vous le décrire. Alors, Tresh va lancer sa lanterne à un endroit visé et euh, si les alliés s'approchent de cette lanterne, euh, pendant 4 secondes, ils vont avoir un bouclier qui va absorber ses dégâts. Tous les alliés qui passent dans, dans, la, dans le halo pardon, de la lanterne vont pouvoir bénéficier de ce bouclier. Donc c'est quand même un bouclier qui au rang 1 fait 60 et au rang 5 fait 220. C'est à dire que si maintenant vous donnez ce bouclier à vous même et euh, à tous vos alliés. En late game vous allez donner l'équivalent de bah, 1200 si je ne m'abuse. Euh, oui 1200. Vous allez donner l'équivalent équivalent, d'un bouclier de 1200 pour la totalité de fin, Réparti sur la totalité de votre équipe Ce qui n'est pas négligeable en teamfight hein, Je vous l'assure C'est l'équivalent euh, d'un médaillon de l'Iron Solari Je crois même que c'est meilleur Donc c'est vraiment pas mal Ça peut vous permettre de sauver vos alliés De même La seconde activation Ou du, du moins le deuxième partie de ce sort C'est que si un allié proche Fait un clic droit sur votre, euh, votre lanterne Il va immédiatement être téléporté sur votre position Et la lanterne de même va revenir à la position de trèche donc c'est un sort qui va permettre de téléporter un allié sur votre position. Ça va vous permettre par exemple de le sauver. Sachez toutefois que cette activation n'est valable qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'au mo enfin, mom moment où un allié utilise cette compétence, il va alors instinctivement être téléporté et en plus de ça va ramener la lanterne avec lui. Donc il faut faire gaffe en teamfight par exemple si vous avez un malfit et une veine qui sont dans le besoin. C'est plutôt à la veine bien évidemment comme vous vous en doutez d'utiliser ce sort et à Malfitte de se démerder tout seul pour se sortir de la galère. Voilà donc simplement pour le Z. Je vous donnerai tous les détails supplémentaires après. Voilà. On va pouvoir parler maintenant eh bien, du E, hein, de trèche. Alors ce E est aussi une compétence qui est plutôt sympa. Elle, en fait elle afflige des dégâts magiques sur une ligne près de trèche et les ennemis touchés sont envoyés dans la direction du coup. Puis ralenti pendant 1,5 seconde. C'est-à-dire que si maintenant vous utilisez le E et que vous vous dirigez vers le haut, et eh bien euh, très, sur un trait euh, devant et derrière lui va euh, eh bien, faire des dégâts et en plus va pousser les alliés euh, les ennemis pardon, vers le haut. Par contre, si vous dirigez votre souris vers le bas au moment où vous faites ça, et eh bien bien évidemment ils vont être rabattus vers le bas. Donc c'est pour ça que vous pouvez à la fois repousser les alliés. Par exemple, si maintenant vous avez une Léona qui est sur votre, euh, votre carie, vous pouvez très bien la repousser. Au contraire, si maintenant c'est une veine que vous voulez choper, et ben vous avez juste à ramener la souris du côté de votre équipe, et à ce moment-là, la veine va être rapportée et ramenée, ratissée, je dirais, euh, vers votre équipe. Voilà, donc c'est un sort très intéressant à utiliser euh, à bon escient. Au début c'est pas forcément évident de bien l'utiliser, de l'utiliser dans la bonne direction, mais sachez que euh, c'est un sort qui peut vraiment faire la différence. Et je vous assure que ramener une veine, même sans avoir utilisé le A auparavant, ça peut faire vraiment la différence en teamfight. Voilà donc pour le E de Thresh. On va finalement pouvoir entamer eh bien, la boîte, ça s'appelle la boîte, le Ultimate, donc le R de Trèche. Alors, Tresh crée une prison euh, de mur. Spectro autour de lui, c'est à dire que ça ressemble tout à fait à la cage de Veigar et les champions ennemis qui traversent un mur à la place de la cage de Veigar où ils sont stun ils vont subir des dégâts magiques et vont être ralentis de 99% pendant 2,5 secondes s'ils brisent le mur euh, si par contre le mur est brisé euh, les dégâts et la durée de ralentissement euh, restant sont coupés de moitié donc euh, c'est à dire, je, je m'explique et euh, eh bien, si maintenant vous avez deux ennemis dans cette cage, l'un va passer un mur déjà d'une part va détruire ce mur au passage et va prendre les dégâts à 100%. Par contre, si maintenant l'autre allié passe par un autre mur, les dégâts qu'il va se prendre et le ralentissement, ils vont être coupés de moitié. Donc, il va prendre 50% des ralentissements et, euh, bah, et des dégâts. Voilà. Et donc, sachez, notez bien que lorsqu'un ennemi traverse donc ces murs ça va être, donc le mur va donc être brisé après le passage donc posez-le correctement avec les bonnes cibles à l'intérieur pour éviter que ce soit euh, les de tankies qui soient enfermés à l'intérieur, parce que eux, ils peuvent se barrer, ils n'en ont rien à carrer, alors que je vous assure que si c'est un carré qui est pris au piège là-dedans, et bien être ralenti de 99% et se prendre 552 dégâts, ça fait toujours mal aux dents. Histoire d'information, sachez qu'au rang 1, il fait 252 dégâts, un mur, le, en tout cas le premier mur brisé, fait 252 dégâts avec un ratio de plus 1 d'AP, par point d'AP, et au rang 3, il va fournir 552 dégâts avec pareil, toujours ce ratio de plus 1 de dégâts par point nappé. Voilà un petit peu. Donc, pour les différents spells de trèche comme vous l'avez vu, une panoplie très complète du slow, des crottes de contrôle, du shield, euh, de quoi aider ses alliés, tout ce qu'il faut pour rendre idéal un support. Alors, peut-être un heal, mais honnêtement, demander un heal, ce serait demander euh, le paradis à Riot. Alors, je vais très rapidement, comme ce n'est pas un guide non plus complet, c'est juste un avis. Je vais quand même très rapidement vous parler un petit peu euh, des synergies et des counter qu'on peut trouver à Tresh. Euh, de ce que j'ai vu, en sachant que je n'ai pas une immense expérience avec lui non plus, euh, je peux très rapidement vous parler. Donc des synergies, je dirais que c'est tout ce qui est euh, réactif sur les engage. Donc tout ce qui est bon avec Léona, par exemple, va être bon avec Tresh. Je prends l'exemple d'un corki qui peut réagir au quart de tour sur un grab. Ou Un Graves par exemple, ce sont je pense des, des carrés qui synergisent bien avec euh, Tresh. Par contre, au niveau des counters de Tresh, euh, il est par exemple dit sur le site de Millennium que Tresh est fort face à Caitlyn. À ça, je dis non pourquoi Eh bien parce que Caitlyn, donc c'est le support avec le, pardon, le carry avec euh, la plus grosse range euh, et d'auto-attaque. De ce fait, comme vous avez certes une grande range. Mais elle est toujours plus faible que celle de Caitlyn, vous n'allez pas pouvoir la poke avec votre A, et en plus de ça, euh, elle va pouvoir vous poke tranquillement lorsque vous essayerez de récolter vos âmes. Donc, ça, déjà, c'est un point négatif. Mais en plus de ça, vu qu'elle est à très longue distance, une Caitlyn qui joue bien ne se prendra jamais votre chaîne, enfin votre, euh, votre lancer de chaîne, donc votre A, l'actif du A. Pourquoi Parce qu'à une distance comme ça, et eh bien, elle a le temps, la Caitlyn a le temps de voir venir la chaîne et peut ainsi facilement l'éviter. Euh, de même, je va être faible face à Ezreal. Pourquoi bah, Pour la même raison qu'il est fa faible par exemple, pardon, face à un Blitzcrank, c'est-à-dire qu'il a son, euh, bah, son Flash intégré. Donc, euh, bah, essayez de grab un Ezreal, s'il est un minimum bon, c'est peine perdue. Et encore, bah, de nouveau, le même carry. En fait, je dirais que de toute façon, les counters à. Tresh sont un peu ceux à Leona et à, à Blitzcrank L'autre counter à Tresh, Et eh bien c'est tout simplement Sivir Pourquoi Parce qu'elle va pouvoir absorber Avec son shield, elle va pouvoir absorber l'effet Et annuler l'effet du, euh, du A Donc Tresh ne va pas pouvoir aller au corps à corps Avec Sivir De même, au niveau des supports Les counters de Thresh euh, Seraient, je pense, Alistar Pourquoi Alistar Parce que grab Alistar, vous en avez pas envie euh... Pff, Honnêtement, je pense que c'est tout ce qui est support tanky euh, il faut éviter de le mettre face à Thresh, je pense. Après, bien évidemment, si vous pouvez avoir en face de vous une Sona ou une Soraka, par exemple, ceux-là sont des proies de choix pour un Thresh, puisque puisqu'ils n'ont rien pour disengage si Thresh vient alors sauter dessus et à leur claquer leur crowd contrôle. Voilà un petit peu pour les synergies, les pics et les counter peaks, euh, de Thresh. Alors maintenant je vais très rapidement parler euh, du stuff de Trèche. Donc comme je vous l'ai dit, c'est. Un guide, mais c'est simplement pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre si vous prenez trèche et euh, savoir un petit peu quel genre de stuff euh, vous allez devoir faire. Alors sachez que pour ma part, trèche je le stuff tanky, mais à 100%, c'est à dire que euh, je vais faire des items de support, certes, mais je ne vais pas par exemple m'attarder à faire un Zeke qui n'est pas du... plus tanky que ça. De même, je ne vais pas faire euh, par exemple les ombres jumelles, le collier de donc des spectres. Je ne vais pas le faire. Pourquoi Parce que la puissance n'est pas intéressante sur Trèche. Il n'a pas des bons ratios et de toute façon, il n'est pas là pour faire des dégâts. Même si ce stuff apporte un petit peu de résistance magique, autant faire d'autres stuff. Donc, je vais très rapidement euh, vous dire. Moi, pour ma part, je pars déjà bah, sur la side stone améliorée, donc euh, le rubis de Vision. Ça, c'est comme sur tous les supports. Déjà une nuance que je vais faire avec Tresh par rapport à autres supports, je ne pars pas sur des boots habituels, je pars sur les boots de mobilité avec Tresh. C'est un support qui bénéficie énormément de la mobilité. Il va, vous allez, dès que votre carré est un petit peu bien, vous allez très bien pouvoir partir au mid et je vous assure que les ganks de Thresh sont phénoménaux. C'est vraiment euh, magique. C'est un kill pratiquement à chaque fois. Donc n'hésitez pas à faire les boots de mobilité. Voilà donc. Pour les boots, ensuite, bien évidemment, on va partir sur l'égide de la légion, qu'on va améliorer en pavoir unique selon les circonstances, c'est pas toujours le cas, en l'occurrence, à l'heure actuelle, on trouve pas mal de compos avec des assassins euh, en mid, et donc pas de réel AP, à ce moment-là, c'est pas forcément la peine de faire une pavoir unique, donc, égide, quoi qu'il en soit, ça c'est toujours... Mustave, le Shurelia, on le retrouve toujours, ça ça apporte de la vie et c'est un mustave surtout lorsque vous cherchez à ben, poursuivre quelqu'un et à lui balancer vos chaînes ou simplement à le, à le jeter vers vos alliés avec votre E. Donc le Shurelia pour moi reste toujours un mustave et derrière pour ma part, euh, ben, là il y a déjà 4 slows qui sont pris. Pour ma part, je pars encore sur des trucs... Euh, 4 ou 5... Euh, non, 4, 4. Euh, pour ma part, je pars encore sur des trucs euh, tant qu'il n'est pas forcément... support. Enfin, rendu 1. Je fais par exemple un rendu 1 avec Tresh, ça m'arrive. Euh, c'est pas mal. Il en bénéficie très bien puisque c'est un support qui va devoir aller dans le tas. Il n'est pas super fort pour protéger son carré. Au contraire, par contre, en engage, il est génial. Donc du coup, le rendu 1 euh, est tout à fait génial avec lui. Euh, après... Si vous le voulez, vous pouvez par exemple faire, je sais pas, l'éclat de glace pur. Alors moi comme dit, je vous l'ai dit, moi je ne fais pas d'AP avec euh, Tresh, je ne cherche pas à faire de l'AP. Il y a des ratios qui sont pas bons et il bénéficie beaucoup plus du tanking, puisqu'il va sauter dedans. Mais euh, si vous voulez par exemple le faire, c'est possible, mais pour ma part je préfère faire un rendu 1. Hein. Et derrière, pourquoi pas un médaillon de l'Iron Solari, euh, si vous le voulez, ou quelque chose de tanky selon les circonstances de la magie résiste ou de l'armure ou pourquoi pas de la vie euh, après c'est à vous de voir selon vos circonstances en tout cas je me répète pour ma part pas d'ap avec Trèche parce que ses ratios sont à chier et que de toute façon c'est pas à lui de faire des dégâts il est uniquement là pour sauter dans le tas et pour et eh bien pour tanker voilà un petit peu donc pour ben, le stuff de Trèche faisons maintenant un petit point sur le gameplay de Trèche alors le gameplay de Trèche il est assez particulier alors, je pense que vous le savez, la plupart des supports, de toute façon en règle générale, mais surtout les supports tanks sont des supports qui apprécient énormément les buissons. Euh, ce sont les supports qui doivent avoir la domination des bushs, Tariq, Leona, Alistar, Blitzcrank. Ce sont des supports qui ont besoin d'être cachés et protégés par les bushs pour être réellement, euh, je dirais, efficaces. Ce sont vraiment des supports qui ont besoin d'avoir ce bush control. Tresh, bien que ce soit un support tank, se différencie sur ce point-là des autres supports. C'est-à-dire que Tresh, lui, au contraire, va devoir être actif. Pourquoi Eh bien, d'une part, parce que euh, Tresh va pouvoir poke avec son auto-attaque, contrairement à un Tariq, à un Listar, à un Blitzcrank ou à une Leona. Il va pouvoir auto-attaque, il va pouvoir. DPS, il va pouvoir POC un petit peu grâce à ses auto-attaques et au passif de son A. Euh, et va ainsi pouvoir, comme dit je vous l'ai dit, POC. Euh, et c'est là que déjà se fait une grosse distinction par rapport aux autres supports. La plus grosse distinction pardon, se fait au niveau, bien évidemment, vous le savez, de son passif. Pourquoi Et eh bien parce qu'il va falloir récolter des âmes pendant la partie. C'est donc euh, un support qui va devoir bouger. Et cela le met entre les sbires pour aller récolter les âmes. Et c'est là que, je dirais, euh, que Tresh est intéressant, parce que c'est pas un support qui vous oblige à rester dans le bush, à rester passif, à attendre juste l'occasion. Là, vous allez devoir rester attentif, mais en plus de ça, on va être plus exigeant avec vous, puisqu'on va vous demander de vous mouvoir entre les bières, de slalomer, d'aller récolter les âmes, et ce, bien évidemment, sans se mettre en danger. Parce que, bien et euh, eh bien, ce soit quand même un but de trèche de récolter ses âmes, vous mettre en danger, et eh bien c'est mettre en danger votre carry. Donc, faire attention à la fois à, aux possibilités d'engage que vous pouvez avoir, mais aussi faire attention aux possibilités d'engage et de poke que vous pouvez donner aux adversaires. Voilà donc pour le gameplay de trèche en face de lane aller slalomer entre les sbires, récolter les âmes, le tout en restant. Prudent. Je vais très vite faire une parenthèse. Sachez que donc l'âme, la, la lanterne de, euh, de Trèche peut récolter les âmes. Vous pouvez donc très bien, si maintenant euh, vous voyez qu'il y a quatre âmes derrière les lignes ennemies, vous pouvez très bien récolter ces âmes sans vous mettre en danger simplement en envoyant la lanterne. Alors par contre, faites attention. Pourquoi Eh bien parce que la lanterne qui est envoyée à un opposé, c'est une lanterne que vous n'avez pas proche de votre allié et qui donc ne peut pas bénéficier du bouclier et surtout ne peut pas bénéficier du, du de la téléportation. Pardon. Donc attention, utilisez-le à bon escient mais sachez qu'en tout cas cette technique est possible. Envoyez la lanterne vers les âmes que vous ciblez. De même, euh, lorsque vous voyez que par exemple il y a un cartusomide qui farme comme un gros bœuf, n'hésitez pas à jeter sa lanterne. Euh, votre lanterne pardon, sur le cartus, d'une part, il bénéficiera du bouclier. Mais en plus de ça, tous les sbires qui mourront et qui lâcheront des armes, euh, des âmes pardon, dans son aura, et eh bien toutes ces âmes seront immédiatement récoltées euh, avec cette lanterne. Voilà. Euh, alors ensuite, en, en dehors des phases de lane, donc phase de lane, bien évidemment, n'oubliez pas, dès que vous avez l'occasion d'aller choper le carry, de vous aller vous TP dessus, d'aller le foutre un petit coup euh, pour le le pousser vers votre carrière vous avec votre e et si nécessaire utiliser votre ulti pour le ralentir ça je pense pas je pensais pas que c'était nécessaire de le, le préciser mais c'est toujours sympa de faire des parenthèses euh, la phase de lane je dirais elle est très courte avec Tresh parce que dès que vous avez vos bottes de mobilité si votre carry est un minimum bien c'est pour ça que c'est bien d'avoir Trash avec des supports qui des carry, pardon qui sont aussi indépendants c'est à dire qu'un ezreal par exemple est pas mal face à avec Thresh, parce qu'il va pouvoir après se démerder seul si jamais il est délaissé euh, donc Trash va pouvoir et va devoir dès que possible se mouvoir dans la jungle dans la jungle dans la jungle ou dans la jungle <laughs> euh, et aller au mid ou aller counter jungle avec votre jungle toujours ça c'est sûr parce que Tresh tout seul ne fait rien, mais euh, il va avoir le devoir. Moi, en tout cas, moi, c'est quand je le joue, je fais comme ça. Après, bien évidemment, si vous voulez babysitter, c'est à vous de voir si vous voulez babysitter votre, votre, votre carry. Mais moi, j'aime bien aller chercher des kills, aller chercher plutôt des assists et offrir les kills grâce à mes ganks euh, en envoyant Tresh euh, aller faire des ganks. Voilà. Euh, sachez donc que Tresh serait un excellent jungler s'il si avait les sorts pour clean la jungle. Seulement il n'a pas l'essor nécessaire, du moins je ne l'ai pas vu pour... jusqu'à présent. Je pense que ça va très vite euh, se sortir. Il y a très forte probabilité pour que ça se joue un jour. Mais pour le moment Tresh reste un support et qui ne veut pas exploiter la jungle correctement. Sachez toutefois que ces ganks sont magistraux et que euh, vous devez en faire profiter votre équipe. Voilà, après une fois que vous êtes en phase de teamfight, bien évidemment, si ouverture il y a... Considérez-vous comme étant un mumu, c'est-à-dire claquez votre A, double activation, vous c'était dans le tas, vous utilisez votre ulti pour enfermer un maximum de monde, et surtout, c'est là que c'est important, n'hésitez pas à mettre votre lanterne en arrière, c'est-à-dire sur vos alliés, histoire que s'il y a un autre tank, ou s'il y a un autre corps à corps, qu'il puisse directement avec vous aller dans la fight sans avoir besoin de courir ou de charger. Par exemple. Euh, je prends un exemple maintenant d'un mumu, pareil. Un mumu, si maintenant euh, il a foiré sa bandelette et que par, par contre vous, vous avez réussi à aller dans le tas, n'hésitez pas à lui envoyer votre lanterne. Il aura juste à cliquer dessus pour fonctionner dans la masse et utiliser son ulti correctement. Voilà pour un petit peu le gameplay de Trèche. Maintenant, on va faire un petit point rapide sur les plus, les moins, et les différents détails qu'il peut y avoir euh, quant à ses spells. Voilà. Alors voilà, maintenant je vais vous parler très rapidement des, je dirais, des petits détails de trèche des petits skills euh, qui peuvent être faits avec lui et oui des petits détails comme dit auquel il faut s'attacher quand même avant de l'acheter euh, ou du moins il faut en avoir conscience même lorsque vous l'aurez acheté il faut s'entraîner pour à ces détails justement pour pouvoir progresser alors je vais déjà parler des détails quant à ses sorts alors euh, sachez que le A donc son passif est très bien il n'y a pas de souci par contre euh, son A à l'activation, donc l'actif du A, euh, sachez que ce n'est pas un hook ou une lame génétique de Blitzcrank. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, en fait, le truc, c'est que au moment où vous voulez balancer votre A, qui a une range énorme, ça, il n'y a pas de souci, eh bien, il y a un petit délai entre le moment où vous envoyez le sort et le moment où la chaîne part. Il y a un délai, je dirais, d'une demi-seconde. En fait, euh, Thresh fait d'abord tournoyer sa chaîne avant de l'envoyer. Comme par exemple, euh, je sais pas, comme par exemple, euh, pff, un cow-boy le ferait par exemple avec sa corde, tac, pour attraper une vache, et bah Trèche, bon lui il le fait sur le côté avec sa chaîne, mais Trèche le fait aussi, et alors c'est quelque chose qui est très perturbant au début. Euh, quand on a l'habitude d'une lame du zénith qui part à toute blinde à partir du moment où on a cliqué, c'est bon. Par contre, il faut prendre en compte et il faut savoir que le A de Trèche a un petit délai d'attente entre le moment où vous lancez donc le sort et au moment où ça part réellement. Euh, ce petit délai, donc, matérialisé par euh, le, euh, le, le tournoiement, je dirais, euh, le pivotement de la chaîne, eh <laughs> bien, euh, ça, va pour, ça va offrir un délai, donc, aux adversaires à la fois pour remarquer que vous allez lancer votre chaîne, mais surtout, ça va offrir un délai simplement... Aux ennemis qui vont bouger normalement. Je veux dire euh, que un, un bon carry ne va pas rester immobile pendant qu'il fait ses lastites. Eh bien, il faut prendre en compte le fait que euh, ce carry va bouger, que ce support va bouger, que tel ennemi va bouger, et je dois avouer que c'est pas forcément facile d'anticiper et euh, de prendre en compte justement ce petit laps de temps pendant lequel Tresh ne fait rien et pendant lequel euh, le, il y a une absence justement. De mouvement de la part de trèche voilà c'est quelque chose à prendre en compte euh, ensuite on va parler très rapidement donc de son Z donc de sa lanterne sachez que déjà je voulais je vous ai déjà fait la parenthèse que et euh, eh bien la lanterne permet de récolter les âmes ça vous le savez alors maintenant les autres détails euh, sachez que euh, si maintenant vous sortez il y a une zone dans laquelle vous allez lancer votre lanterne et en fait il va y avoir un grand rayon je dirais bah, justement que c'est euh, 2000 un rayon de 2000 de distance, euh, il va y avoir un grand rayon dans lequel justement vous allez rester en contact avec, avec votre lanterne. Si vous sortez de ce rayon, automatiquement la lanterne va revenir dans vos mains. Il faut savoir que la lanterne normalement reste un petit moment, je dirais 7 secondes, il me semble, j'avais regardé, elle reste 7 secondes en place. Euh, pendant ces 7 secondes, donc, toutes les, tous les alliés qui vont passer sur la lanterne vont recevoir un bouclier. Une seule fois, bien évidemment, par allié. Euh, et si par contre vous sortez du rayon de la lanterne et qu'il vous reste encore un laps de temps c'est à dire que si vous venez de jeter, de jeter la lanterne que ça fait deux secondes qu'elle est par terre et que vous sortez du rayon la lanterne va revenir dans vos bras et l'effet du bouclier va rester c'est à dire que si maintenant euh, je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez joué face à un trèche parfois il y a la lanterne qui est illuminée il tient la lanterne qui est illuminée et il y a une sorte de lumière devant lui et eh bien ça veut dire que la lanterne est activée et que si un allié passe à côté de lui, et eh bien c'est en fait c'est en lui-même qui fait la lanterne, c'est-à-dire que si un allié passe à côté de lui, il va bénéficier du bouclier comme s'il passait à côté de la lanterne. C'est quelque chose à, à savoir que me su, je me suis rendu compte au bout de 4-5 games, moi, que ça fonctionnait comme ça. Donc si jamais vous devez euh, vous barrer, mais que vous avez envie que tous vos alliés bénéficient euh, du, euh, du shield, ou simplement si vous voyez que votre carry est trop loin euh, de, la, de la lanterne. Et par contre vous vous êtes proche de lui et qu'il est sur le point de clamser, à ce moment là vous sortez du rayon et comme ça vous avez juste à vous, à vous coller à lui pour lui offrir l'effet du bouclier. Une autre chose quant à la lanterne, sachez que la lanterne révèle ce qui se passe dans les bûches ou révèle simplement la zone dans laquelle elle est posée. C'est quelque chose de très intéressant, ça vous évitera de face check, notamment lorsque vous voudrez warder. Euh, ça... Peut vraiment être pratique, notamment dans la jungle. Donc euh, c'est vraiment un détail à connaître. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment quand on sait que par exemple avec Leona on est forcément obligé de faire un face check si on veut aller poser une ward dans un bush. Là avec Tresh, vous pouvez auparavant euh, savoir euh, ce qui se passe dans la zone dans laquelle vous voulez aller. Un dernier petit détail quant à cette, euh, cette lanterne, pardon. Eh bien il faut savoir que cette lanterne est considérée comme une entité. Qu'est-ce que je veux dire par là En fait c'est un test que j'ai fait avec les gilles euh, Eh bien c'est une entité dans le, même, dans le même sens que une Ward. C'est-à-dire que un Jax, non pas un, pas un Jax, pardon, un, un Lysine, va pouvoir sauter sur votre lanterne. De même, le sort téléportation peut être activé sur la lanterne. Ça peut donc être utiliser comme étant une ward, c'est-à-dire que si maintenant vous êtes dans votre bush, vous jetez la lanterne juste dans le même bush, et eh bien vous pouvez très bien offrir un point de ralliement pour quelqu'un, ou votre table par exemple, qui voudrait se téléporter dessus. C'est quelque chose à savoir. Vous pouvez utiliser donc votre lanterne comme étant une ward, c'est une entité. Voilà pour le... Euh... Je pense que j'ai fait tous les détails de cette fameuse lanterne. Quant au E en lui-même, je ne pense pas avoir particulièrement des détails à à faire à part peut-être la petite nuance euh, il faut pas forcément chercher à vouloir absolument euh, comment dire récupérer un ennemi en lui balançant votre euh, votre A vous pouvez si vous êtes à une courte distance vous pouvez très bien ramener un ennemi avec votre E Par, enfin je je sais pas trop comment vous expliquer ça c'est à dire que si vous êtes en train de chase un, un ennemi au lieu de vous posez de devoir viser avec votre, euh, votre A et d'attendre le petit délai entre lequel vous activez le A et le moment où la chaîne part, plus encore le délai durant lequel la chaîne doit faire le trajet, et, euh, tout ce délai pendant lequel justement l'ennemi le, n'a qu'à se mouvoir, n'a qu'à bouger de sa, direct, de sa, de sa position euh, pour pouvoir éviter votre A, pour peu que vous soyez relativement proche de lui pendant que vous êtes en train de chase, vous n'avez qu'à bah, mettre la souris à l'opposé. Euh, de la direction dans laquelle il se dirige et justement balancer votre E pour simplement le ramener vers vous au lieu de, comme je vous l'ai dit, d'attendre que le A parte. Voilà un petit peu euh, pour le E. Dernière chose, quant à l'ultimate, sachez que l'ultimate ne peut pas être posé n'importe où. Euh, la prison donc, ou la, la boîte est obligatoirement posée autour de Trèche lui-même. Vous ne pouvez pas. Sélectionnez l'endroit dans laquelle la poser elle est automatiquement et obligatoirement posée autour de Tresh. Voilà pour les différents détails. Je pense que j'ai fait un petit peu euh, la totale. Maintenant, très rapide nuance quant au, au gameplay. Euh, sachez que Trash est vraiment immonde en ce qui concerne la fuite ou le chase dans la jungle. C'est-à-dire que si maintenant ça m'est déjà arrivé, vous êtes poursuivi. Par euh, toute une équipe ennemie et que vous êtes juste avec votre carry, vous êtes dans la jungle, vous pouvez tout simplement balancer. Par exemple, si vous êtes de l'autre côté du mur des golems et que vous voulez passer justement euh, du côté de l'autre côté, vous n'avez qu'à balancer votre chaîne sur le golem. Faire la deuxième activation pour vous TP sur le golem. Et balancer votre lanterne de l'autre côté de la... du mur pour que votre carry puisse cliquez dessus et ainsi vous suivre de l'autre côté du mur. C'est vraiment c'est l'équivalent d'un flash pour deux personnes. De la même façon, euh, ça il faut se mettre au. Ça, 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 ça se travaille hein, de toute façon, mais il faut, met, il faut se mettre d'accord au début. Euh, lorsque vous voyez que vous êtes dans la, dans la merde et que vous devez flash, et que votre carry doit aussi flash normalement, mettez-vous au, au OK au, au préalable. Et simplement dites-vous que si vous flash, si vous vous êtes forcé à flash, ben vous utilisez votre flash, et derrière, le carré, lui, n'est pas forcé d'utiliser son flash, vous n'avez qu'à lui envoyer votre lanterne, et ça économise ainsi le flash du carré, qui est très, très important. Euh, dernière chose, dernier petit détail quant à la lanterne, je précise que euh, en teamfight, elle est vraiment pas évidente à euh, utiliser, à fait, à utiliser pardon, pour, pour vos alliés, c'est-à-dire que si vous êtes, en fait, comment dire, les ennemis prennent l'avantage sur la lanterne. C'est-à-dire que si maintenant un allié à vous essaie de cliquer sur votre lanterne, pour peu qu'il y ait un ennemi qui soit devant la lanterne, c'est l'ennemi qui, euh, qui va être prioritaire. C'est-à-dire que euh, en cliquant justement sur cette fameuse lanterne, si l'ennemi est devant, vous allez attaquer l'ennemi au lieu d'utiliser de, de, la lanterne. C'est quelque chose qu'il faut savoir en teamfight, c'est très difficile d'utiliser la lanterne, euh, l'effet actif plutôt de la lanterne. Euh, par vos alliés parce que justement le... en fait la hitbox est très petite donc le, le champ de clic est très petit et en teamfight c'est franchement pas évident de cliquer dessus surtout quand on sait que les ennemis si les ennemis pardon sont paqués sur cette fameuse lanterne voilà euh, je pense que j'ai fait le tour de des petits détails qui peuvent vous orienter un petit peu sur la façon de jouer trèche Maintenant, si je vais faire un point, je dirais que c'est un support qui est génial, qui euh, change la metagame euh, en botlane en tout cas. C'est-à-dire que maintenant les sorts qui, dev qui étaient gardés, par exemple si Ezreal gardait avant son, euh, son flash pour fuir, il peut très bien maintenant l'utiliser au contraire pour sauter dans le tas et quand même pouvoir escape avec la lanterne de Thresh par exemple, c'est quelque chose qui c'est un support qui fait énormément bouger je pense la bot lane bouger à la fois par justement cette lanterne et ses différents moves move, qu'il peut faire, mais aussi bouger dans le sens où vous allez vous même en tant que support devoir bouger récupérer les âmes, auto-attaque avec votre A c'est un support qui est très, très intéressant à jouer euh, par contre, je mets un bémol c'est un support qui n'est pas évident à prendre en main il est beaucoup moins évident qu'une Leona, alors que que une Leona bien utilisée, c'est enfin, vraiment utiliser une Leona c'est pas évident. Euh, même si ses sorts sont faciles à utiliser, je dis pas le contraire, mais une, une Leona correctement utilisée, c'est déjà pas évident. Mais alors un trash c'est encore plus difficile. Donc euh, je ne recommande pas ce support aux débutants. Par contre, ceux qui sont habitués justement au support tanky, je leur recommande chaudement d'utiliser et d'acheter ce support. C'est quelque chose qui je pense vous comblera. En tout cas, moi je suis 100% comblé. Euh, et honnêtement, que du bonheur avec ce support. Je suis vraiment euh, très, 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 très agréable, agréablement surpris, pardon. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je pense que ça va devenir un de mes mains, si ce n'est mon main, devant ma chère Leona, parce que c'est vraiment intéressant à la fois pour engage, à la fois pour défendre, à la fois pour euh, chase, à la fois pour fuir. C'est vraiment un gameplay, euh, je dirais qui. Très complet justement pour les supports, plus complet que les supports qui habituels et c'est vraiment très intéressant de jouer et pour peu que vous sachiez l'utiliser correctement, je vous assure que c'est un régal à la fois pour vous et à la fois pour votre équipe. Mais par contre, je me répète, c'est un support qui n'est pas facile à utiliser et alors là, je veux aussi faire un autre point. Il n'est pas facile à utiliser pour vous. Mais sachez aussi qu'il n'est pas facile à utiliser pour vos alliés, c'est-à-dire que la lanterne, c'est pas automatique. C'est un truc euh, et parfois ils vont voir poser la lanterne, ils vont se poser des questions, mais en fait vous vous l'aurez juste posé pour leur faire gagner du temps, vous leur faire gagner 5 secondes à la place de marcher, et ben, ils auront juste à cliquer sur la lanterne. C'est un truc qui n'est pas automatique. De même quand ils sont dans la merde, ils n'auront pas forcément l'automatisme de cliquer sur la lanterne qui est derrière eux. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à prendre en compte pour votre équipe et pour vous aussi. Utilisez la lanterne correctement, utilisez l'angage correctement, utilisez le E. L'ulti correctement, tout ça, c'est quelque chose qui doit se mettre en place au fur et à mesure à la fois pour vous et votre équipe. C'est pourquoi je recommande à la fois de déjà savoir jouer les supports tanky et le support en général. Euh, et en plus, je vous suggère chaudement, je recommande chaudement de jouer en full pre-made lorsque vous jouez trèche. Parce que justement, c'est quelque chose, c'est un, un support qui, euh, qui doit être joué d'une façon particulière à la fois pour vous et à la fois pour vos alliés. Donc, c'est toujours. Plus intéressant d'être au micro au moment où vous jouez ce fameux support. Quoi qu'il en soit, pour moi c'est que des avis positifs. Euh, je suis vraiment très content d'avoir ce support en main. Et j'espère en tout cas qu'il vous comblera. J'espère vous avoir intéressé pendant cette vidéo. J'espère euh, avoir vous avoir permis de vous décider à savoir si vous voulez le jouer ou non. Euh, en tout cas, j'espère que cette vidéo bah, vous aura plu. Et je vous souhaite bah, bien sûr de bien vous amuser avec ce nouveau support. Euh... Donc je vous souhaite bah, bien évidemment euh, un très bon jeu à tous. Je vous souhaite de bien profiter donc, de ce nouveau support. Faites-en profiter votre équipe. Jouez-le correctement. Jouez intelligent. Jouez gentiment. Ne faites pas mauvaise réputation à la communauté française qui est déjà mal menée sur League of Legends. Je compte sur vous. Bon jeu à tous. Euh, N'hésitez pas, bien évidemment, à m'envoyer toutes vos questions. J'y répondrai, comptez sur moi. Euh, N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces verts, à me laisser des messages, à vous abonner. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment, merci à tous de me suivre. Euh, donc, merci à tous aussi de jouer avec moi pour tous ceux qui jouent. Euh, je vais essayer de diversifier un petit peu la chaîne. J'ai quelques idées en tête là. On va peut-être sortir un petit peu du League of Legends. Enfin. On va peut-être sortir un peu autre chose justement que du League of Legends. Mais ne vous inquiétez pas, League of Legends restera bien évidemment l'intérêt central de la chaîne. Ça, ça ne changera pas. Ou du moins, pas avant un bon gros moment. Voilà. Merci à tous encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert, à commenter, euh, à me suivre, à partager. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Merci euh, à tous ceux qui... Ouais, enfin, bah, j'ai déjà, déjà fait mes remerciements. Je suis désolé. Bonjour à tous. Bien cordialement, j'espère que je vous aurai aidé. C'était beau.